Peggy 18. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenus. Recoucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors maintenant, ce qu'on va essayer de faire, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu désires faire cette fois-ci dans cet épisode? Bah, oh, il y a une locomotive, c'est quoi ça? Je l'ai jamais vu celle-là. Ah, je suis juste à côté. Donc là, je pense qu'il y a un événement en fait qui vient de se mettre, donc on va le faire. Hein. Oui, je disais en fait ce que je vais essayer de faire après, c'est tout simplement. Il y a quelques abonnés qui me disent, mais Body, est-ce que t'as bientôt terminé le jeu? C'est pas pour dire que je dois te terminer, hein. C'est pas dans ce sens-là qu'ils veulent dire, c'est qu'ils pensent en fait que je vais tout simplement tout de suite arrêter le truc. Non, 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 on va encore savourer un petit peu. Je pense qu'il va. Il va y avoir quelques épisodes encore, on va pas se mentir non plus, hein. Je vais pas vous dire qu'il y aura pas beaucoup d'épisodes, mais justement, on doit encore faire toutes ces quêtes-là. Rapidement, je vous montre, après on va pas s'emballer là-dessus. On va rapidement. Bon, ça c'est le seul truc que je ferai pas, sincèrement, j'ai vraiment pas envie de le faire. On fera tout sauf ça. Donc j'aurai ça à faire, j'aurai la Tamise à libérer. Donc ça va me prendre quelques secondes, hein. J'ai juste une mission là à faire. Un autre truc là, après on va libérer ces quartiers là plus tard et on va faire toutes les petites missions C, D, les assassinats, les libérations de quartiers, etc. Parce que je sais qu'il y en a vraiment tout le monde, et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime bien bon, pas mal de choses en fait de voir, donc ça me permet tout simplement de vous montrer. Je vais voir si je peux pas aller plus vite dans cette zone, non malheureusement le train il avance sans moi. Bon allons-y hein, mais finalement vous avez vu, ça sert à rien de perdre un peu votre temps à XP très rapidement votre personnage, que les missions en fait qui arrivent au fur et à mesure, bah tout simplement c'est des missions qui sont qui privilégient énormément les grades en fait. C'est ce que je me rends compte, c'est que j'ai perdu on va dire quelques heures en fait à vouloir faire des combats, des choses comme ça, mais finalement j'aurais dû juste faire la progression du jeu. Mais voilà, mais après ça on l'a pas fait en fait en vidéo donc c'est pas très gênant, mais c'est plutôt de mon côté que j'ai perdu un peu de temps, mais bon, c'est pas vraiment bien méchant. Par contre le train je pense que je l'aurai jamais. Parce qu'il est tellement loin le petit malin. Donc je vais essayer de la rattraper très rapidement. Ah si il est là, il est là. Ah là, oh la chance c'est qu'il était quand même grand. Ouais bon bah maintenant tu l'as un peu dans les fesses. Donc attends. Donc je crois que c'est un truc communautaire. Hein. Donc il y en a qui vont dire mais comment ça communautaire? Bah en fait c'est un défi en fait qu'ils doivent mettre une fois de temps en temps. Sur la carte et ça nous permettrait tout simplement de pouvoir le faire en fait. Donc désolé si je cours derrière le train c'est qu'elle va pas plus vite. Hein. T'as cru quoi toi? T'as cru qu'elle allait plus vite que ça? Attends. Ah c'est pas vrai, je peux pas. J'essaie de monter. Ah enfin. S'emparer du trésor. Je crois que je l'ai entendu briller justement le trésor, il est où? Non, c'est pas ça le trésor. Il y en a qui vont dire mais Body ton trésor il est toujours pas là. Hein. Mais t'inquiète pas, je finirai par l'avoir. Tu vois il est là le trésor. Magnifique. Donc il y a pas mal d'argent à se faire, hein. Bon, j'en ai plus l'utilité maintenant tout ça, mais c'est pour vous dire qu'on a pas mal d'opportunités. Je pense que là, faudrait qu'on crochete le truc, non même pas. Bonjour toi, comment tu vas mon petit copain? On va se camoufler un peu. Mais non, mais on va pas l'arrêter cette femme, elle est trop bien. Alors le prochain coffre, je pense qu'il est de l'autre côté, on a 4. Hein. C'est un peu bizarre parce que franchement, j'ai l'impression que le train est très court. Body, faut que tu crochetes ça. Ah, le deuxième trésor fait. Ah, les petits malins. Donc en fait, le wagon, il est quand même assez intéressant là. Donc, est-ce qu'il y a encore de la place de la locomotive? Attends, peut-être que j'ai oublié encore un truc. Voilà, tu vois, je m'en doutais. Parce que pour moi, ça m'avait l'air en fait trop court. Si j'allais directement là-bas. Allez, deuxième machin. Et le troisième. Eh mais c'est n'importe quoi cette mission, sincèrement. Franchement, je trouve que c'est se faire de l'argent trop facilement, ça. Eh ben voilà, et fuir le train. Stop les, non mais c'est quoi cette mission? Je vais pas faire le mec désagréable, mais c'est quoi cette mission? Attends, je vais essayer de monter là-haut. Eh mais je suis impressionné quand même, hein. La mission, au secours, quoi. Voilà, on a fui le train. Non mais regarde-moi ça, s'il te plaît. Ah, regarde les dollars que je me suis fait. Bon, je pensais que c'était l'expérience, mais à moi tout cet argent. Oh, truc de dingue. Je vous dis, ce jeu-là, je pense pas qu'on va le terminer aussi facilement. Hein. Alors, je l'ai fait cette mission. On va essayer de faire l'assassinat en question qui se trouve juste ici.
Est-ce que j'ai un moyen pour aller plus vite? Justement, heureusement. Donc après, ceux qui me demandent, Bodji, est-ce que tu feras tous les coffres en or? Oui, c'est les seuls que je ferai. Les coffres blancs, non, c'est bon, je les ferai pas. J'ai juste les coffres en or, parce que c'est important, parce qu'en fait, on a la possibilité d'avoir des pièces rares qui vont nous permettre d'améliorer davantage les tenues. Les tenues, les capes, etc. Après, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que t'as un abonné qui m'a dit, Bodji, est-ce que tu peux améliorer le chapeau de Sherlock Holmes? D'accord, donc ça c'est avec Jacob déjà, mais les chapeaux, je pense pas que tu peux les améliorer. À moins qu'il y ait cette possibilité, c'est vrai, hein. Je dis pas le contraire, parce qu'avec Eevee, on a la cape et la tenue. Donc je sais pas. Donc, faut savoir aussi, c'est que les quartiers, on a vraiment bien bossé, parce que c'est un 100% le let's play, hein. C'est-à-dire qu'on va faire tout en fait, hein. Mission principale, annexe, secondaire et les missions des persos. C'est pas juste l'histoire et après, bisous, au revoir tout le monde. Et bien évidemment, dès que le DLC sortira de Jack l'Éventreur, parce qu'il sortira pas forcément tout de suite, mais dès qu'il sortira, bah promis, juré, craché, que je le ferai. Parce que franchement, j'ai vraiment envie d'en profiter et pourquoi pas après le faire bien quoi. Attendez, je vais juste sauter de l'autre côté si ça vous dérange pas. Je vous remercie. Donc, la petite mission d'assassinat, elle se trouve juste en face. Donc après, ici, on a des feuilles, en fait. Donc après, vous pouvez les ramasser. Donc ça, je sais pas à quoi ça va nous servir, sincèrement. Il y a pas mal de choses, en fait, qu'on va découvrir après au fur et à mesure. Mais vous avez vu, ils ajoutent quand même des événements un petit peu ponctuels. Voilà, c'est ponctuel. Oh, il y a une bagarre ici. Voilà, j'espère que vous êtes prêts. Parce que là, ça va pas rigoler, à mon avis. Qu'est-il passé? Votre frère. Qu'a-t-il encore fait cette fois? Oh, les journaux n'en ont que pour le meurtre de Toupenny. Et, comme si ça ne suffisait pas, quelqu'un a volé les plaques de la planche à billets. Est-ce aussi du fait de Jacob? Ça m'étonnerait. Les gens se méfient des banques. Et de la monnaie, les prix vont grimper. Il y aura des émeutes. Les usines partiront en Amérique, où la main-d'œuvre est moins chère. En un mot, le déclin de l'Angleterre. Jacob, tu t'es vraiment surpassé cette fois. Attendez. Et si j'allais remettre les plaques à la banque? Eh bien, ça nous aiderait. Mieux encore, cela mettrait un terme aux rumeurs sur le meurtre de Toupenny. Et la confiance dans l'économie serait rétablie. Comptez sur moi. L'Angleterre échappera au chaos. Oh, et si cela ne vous gêne pas, pourriez-vous détruire tous les faux billets que vous trouverez avant qu'ils ne soient mis en circulation? Bien sûr. J'adore cette femme, elle est trop bien. C'est gentil de venir nous prêter ma femme. Suivez-moi. La fausse monnaie est écoulée tout près d'ici. Enfin, si l'on peut parler de fausse monnaie. Avec ces plaques, il est quasi impossible de distinguer les vrais billets des faux. Monsieur Aberlin. Si ces billets circulent, enfin, vous êtes déjà au courant. Quand les gens n'ont plus confiance dans leur monnaie, il y a déjà eu des émeutes. Monsieur Aberlin. Stop les messieurs, merci. J'ai entièrement confiance en vous. C'est n'importe quoi ce jeu-là, je vous assure. Bonjour. On va suivre cette cible. Vous deux, avec moi. Je ne tiens pas à me faire voler en allant au chariot. Les faux monnayeurs. T'as entendu parler de cette émeute à la banque? Ils peuvent s'agiter tant qu'ils veulent. On ne rendra pas ces plaques. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est pas comme si c'était du véritable argent. Depuis qu'on a les plaques d'imprimerie, c'est du véritable argent. T'as entendu cette foule? On dirait que Londres tout entier se rebelle. N'a rien à voir avec nous. Quand je pense que Jacob a réussi à mettre en péril toute l'économie, père avait raison. Il agit sans réfléchir et sans aucun remords.
Je m'en doutais qu'ils allaient prendre encore une chariot. Oui, j'avais raison. Hein. J'allais encore s'amuser avec cette petite bêtise-là. D'accord, je sais pas ce qui se passe, elle parle pas. Ah oui, c'est eux qui parlent. On a des gardes du corps avec nous, ça sera beaucoup mieux. S'ils cassent pas tout sur le passage, bien évidemment. Oh merde, c'est moi qui a tout cassé. Oh non. Oh non. Faut qu'on brûle la fausse monnaie maintenant. On peut le tuer ou pas lui? Waouh. Je pense pas que je veux le tuer. Alors maintenant, il faut qu'on brûle la fausse monnaie. Donc à mon avis, il y aura pas mal de combats. On va pas se mentir, hein. Je pense que vous êtes préparés psychologiquement pour ça. Parce que on va pas rester les mains croisées à rien faire. Hein. Voilà, je vais descendre, je pense, ici. Il y a des fenêtres ou pas? Et ouais, il y a une fenêtre. Méchant, j'ai tué la personne qu'il fallait pas. Oh merde, y a un méchant qui arrive là. Ta sœur. Attends. Donc le mec, il est juste en bas. C'est où qu'on brûle ça? Attends. Bah tiens, justement, je me suis bien trouvé au bon moment pour une fois. Voilà, on a brûlé la fausse monnaie, mais je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup encore hein, dans la zone en fait en question. Ah non, c'est bon, c'est bon. Ah tiens, ils se battent. Ça m'arrange en fait, hein, pour une fois qu'ils sont capables de se bagarrer ensemble. Et non, on va voler les vraies planches à billets maintenant. Il ne reste plus qu'à les remettre à la banque. Bah voilà. Y a pas de fenêtre ici? Franchement, un truc que j'aime bien dans ce jeu-là, c'est dès que t'as des mercenaires, en fait, ils bossent à ta place, quoi. Faut qu'on localise les trucs de la banque. Donc en fait, lui, il ne sert plus à rien, finalement, ce petit malin. Donc attends, la banque, je pense qu'elle est justement... Ah ouais, elle est quand même loin. On va prendre un peu la chariot, ça vous dit ou pas? Bonjour mes copains, comment ça va? Désolé, hein, la dégradation publique, c'est moi qui va payer les frais juste à la fin. Bon, je vais rapidement me rendre là. Si je casse ça, ça va me rapporter des points, ça. Tu vois, ça rapporte d'expérience. C'est trop marrant comme truc. Hein. Vous avez vu franchement comment je viens de feinter? Il a rien compris, j'ai déposé mon bodyguard et c'est tout. Donc maintenant on doit déposer la planche au billet là. Donc je regarde, je suis sûr qu'il y a des gardes un peu partout dissimulés. Est-ce qu'il y a une entrée quelque part où je peux passer? Je pense pas vraiment. Mais comme je dis, qui tente à rien, n'a rien. Nous allons remettre les planches à billets dans l'immédiat. Oh, c'est pas vrai, comment j'adore tourner moi. Non, il y a rien. Donc attends, je pense que là on va tout simplement passer par nulle part en fait. Il y a même pas une seule fenêtre quoi. Oh les menteurs. Donc finalement, j'ai pas le choix. Donc il y a aucune entrée, à moins que je passe peut-être par cette cour. Chose qui m'étonnerait vraiment. J'adore franchement les monuments comment des fois ils sont bien faits. Il y a aucun passage, c'est-à-dire que le mec qui nettoie le toit, c'est rien que pour lui tout ça. Aïe, 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 aïe. S'il vous plaît, un raccourci. Donc en fait, il faut que je passe par la porte principale, mais dans le prochain épisode. Qu'est-ce que vous en dites, franchement, Evie? On passe dans le prochain épisode, quand même, non? Bon, ok, Body, à tout à l'heure.